Bonjour le roi Bertrand. Bonjour, regardez les beaux cœurs que vous me donnez. Merci. Je viens enlever toute mauvaise onde, tout mauvais esprit. Fabi Love, où que je sois, quand je suis là-bas, tu viens. Tu joues au Gabon. Même si je suis à Abidjan. Je suis à Badjoun. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Je viens à toi. Ah. Tel que je suis. Prends-moi. Il y a des gens que on n'est pas fait pour se rencontrer. Vous devez comprendre ça. Pas tout le monde qui me rencontre. Par contre, il y a des gens qui me rencontrent pour rien. Mon fardeau m'est enlevé. Je viens à toi, j'ai dit, je viens. Qu'est-ce que je vais partager comme stratégie aujourd'hui avec vous? Voilà. Beaucoup d'entre vous, les ancêtres vous ont déjà dit, et vous le savez, que vous devez lancer votre page. Vous devez vous lancer en ligne. Et quand tu lances ça, ce n'est pas seulement pour... Vous voyez, certaines personnes que vous avez essayé, ça n'a pas donné. Et ça n'a pas donné parce que tu n'avais pas la bonne stratégie. Pour certains d'entre vous, ça a ramé. Donc, je vais vous donner quelques astuces. Premièrement, pour vendre tes produits en ligne. Deuxièmement, pour utiliser ton don. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez des dons spirituels. Si j'oublie une partie, après vous me rappelez, j'ai dit que je vais faire deux parties. Ok? Donc, je demande l'assistance du Saint-Esprit, l'ange Michael, celui qui combat tous nos combats, l'ange Gabriel, le messager, les chérubins, la Vierge Marie et le Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Merci Seigneur. Ok. Tu as des produits à la maison, tu veux vendre. Ok. La première chose que tu dois comprendre, c'est que les réseaux sociaux, c'est l'outil par excellence que les ancêtres nous ont donné. Si tu fuis les réseaux sociaux, tu auras de la peine à gérer ton business. Écoutez, listen very well. Tu fuis les réseaux sociaux ou tu ne connais pas manipuler les réseaux sociaux à ton avantage. Que tu aies un salon d'onglerie, que tu aies un salon de massage, que tu aies un restaurant, vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Et Facebook est en train de passer un peu. Like, you know, Facebook is fading away. TikTok.
C'est les étoiles, les étincelles. C'est le feu d'artifice. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on ne vous suit pas. Ce n'est pas le nombre de followers qui te donne l'argent. Je ne sais pas pourquoi j'enseigne tout ça aujourd'hui. Mais bon, étant donné que je fais ce que les gens qu'on me dit de faire, l'autre c'est ce que les gens me disent. Bonjour, bonjour. Parfois, tu veux lancer ton business, tu te dis, tu es nouveau dans la ville ou dans le pays. Tu ne connais personne. Et quand tu te rapproches de la communauté de ton, la communauté peut-être gabonaise de France, tu vois, il y a les mesquineries. Tu dis même à quelqu'un, ok, parle de mon business à ton cercle de contact, non. C'est comme si c'est le chantage. Et pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train de découvrir vos dons. Bonjour la reine Suzanne. Donc, pour vous exposer comme ça, il y a certains, vous vous lancez dans certains business. Supposons que tu veux vendre les sex toys. Et tu sais que les sex toys, c'est quelque chose que les Camerounais, pourquoi est-ce qu'elle parle? On chuchote un peu trop par rapport à ça. On papote beaucoup. Donc, tu dois comprendre que ta tribu, en anglais on dit your tribe, elle est là sur les réseaux sociaux. Ils sont dans ta ville, mais ils sont sur les réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux pour toi maintenant, c'est... Bonjour. Notre petit oiseau est là. Les réseaux sociaux, c'est la plateforme par excellence pour attirer les gens qui sont comme toi. Vous n'allez peut-être pas croire, mais... Vous ne tombez même pas au hasard sur une vidéo. Le fait que tu... Donc, tu es sur TikTok comme ça. Et puis, soudainement, ce n'est pas le hasard. Je crois que TikTok doit travailler avec avec l'énergie. Ou bien ça a été inspiré par les ancêtres. Ou bien, je ne sais pas. Il y en a parmi vous. Quand vous me racontez souvent les circonstances qui ont fait que vous trouvez sur ma page. Ah! Je ne sais pas. Je me suis retrouvée. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu Facebook. Hein. Mais ma fille, elle m'a dit qu'elle devait mettre Facebook pour que je regarde un ami là. Dès qu'on met, c'est ta vidéo qui vient. 5 fois dans la journée, j'ai vu ta vidéo. Après, tu fais un lavage, tu fais un truc. Tu obtiens tes papiers. Parce que le temps d'obtenir tes papiers était là. Bonjour Mouma et merci pour le compliment. Vous devez comprendre que les réseaux sociaux ne sont pas vos ennemis. Bonjour le roi James. Les réseaux sociaux ne sont pas vos ennemis. Non, tu me regardes, tu ok. Ne te décourage pas par le nombre de followers que tu as ou que tu n'as pas. Et regardez la reine Jocelyne, elle a déjà 16 000 likes. Et elle a, je sais même pas combien d'abonnés, je sais pas si c'est 30 000 ou 40 000, je sais même pas. Il y a des gens qui ont des pages de 100 000 abonnés qui n'ont même pas 50 000 francs sur leur page. Et moi, tout ma part, c'est l'argent. Parce que même si un gars te drague, il va te dire n'importe quoi, tant qu'il ne met pas l'argent sur la table. Vous allez vous aimer, vous allez manger l'eau. Vous allez manger l'amour, vous allez boire l'eau. Quand tu viens pour poster dans la page que tu as ouverte,
Premièrement, tu dois aller chercher du contenu. Votre problème, c'est que vous êtes seulement sur votre page avec le produit. Ouais, je me suis rien. Achetez, achetez. Bon, c'est vrai que je faisais pas abuser des bracelets. Je vous montrais pas des bracelets. Vous allez voir que je parle pas de mes produits tout le temps. Ok. Vous savez quoi? Les gens savent que vous vendez quelque chose. Vous savez que je vends les kits. Vous savez non? Vous savez que je vends les produits. Vous savez que je vends les bracelets non? Ça va servir à quoi que chaque matin mes mains essayent de dire? Voilà votre premier problème. C'est que vous pensez que vos clients n'ont pas de vie. Vous pensez que... Tu dois pouvoir entretenir ton client sur une longue période. Tu dois pouvoir créer un espace où il peut venir s'asseoir. Il y en a ici, là, comme vous ne pouvez pas passer une journée sans écouter mes vidéos. Et certains, vous n'avez jamais acheté mes produits. Mais vous m'écoutez seulement. Un jour, dans 5 ans, vous allez dire, vous aussi allez acheter le produit qu'elle vend. Supposons que tu vends des mèches. Tu peux vendre je sais pas, les brésiliennes, les indiennes, les mèches badounaises. Il faut que je sorte les mèches badounaises. Qu'on a fait à quoi? Ok. Bon. Oh my God. Ok. Vous devez. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rire. Oh my God. Brown skin girl, the best thing in the world. All right. Ok, on y va. On revient dans le business. On revient au business. Vous devez créer un environnement. C'est un peu comme un magasin où quelqu'un entre. Il trouve le bonbon. Il trouve la télé. Allez un peu à China Mall à Douala. Merci le monsieur le roi Marco. Il entre comme ça. Il trouve la télé. Les babouches. Parce que pour certains d'entre vous, comme vous venez de commencer sur le business en ligne, vous allez voir que ça va évoluer. Plus tu te développes, plus ton public va changer. Et parfois, ton public va grandir avec toi. Il y en a, vous me suivez depuis au moins 1 an ou 2 ans. Il y en a, vous me suivez depuis 3 mois. Mais en 3 mois, vous êtes conscient que vous avez changé. Il y en a, quand vous avez commencé à m'écouter, vous ne pouviez même pas acheter le sel de 1000 francs. Aujourd'hui, vous achetez les kits de 30 000, 50 000. Ta puissance financière a évolué. Donc, on ne vient pas en ligne seulement pour faire... On ne fait pas ça. Surtout pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des empathes, vous êtes des médiums. Certains, vous êtes, vous guérissez avec les mains. Donc, vous avez une capacité à comprendre l'énergie, à absorber l'énergie des gens. Oh my God! Ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Oh my God.
Il y a un joli oiseau ici là. Je crois qu'il y a son nid là-bas dans l'arbre. Chaque fois que je fais le direct, il faut qu'il vienne ici. Il est tout beau. Viens, je vais te voir encore. Viens alors. Ok. C'est peut-être un de vos ancêtres, moi je sais pas. Ok. Qu'est-ce qu'il disait même? Bon, je prends ça même quelque part. Tu peux vendre les brésiliennes. Tu te retrouves demain en train de parler de la dépression. Et en parlant de la dépression, tu as les brésiliennes sur ta tête. La personne en likant ta page a vu que c'est la page qui parle des brésiliennes. Ok? Ce qui va te connecter à ton public, c'est l'émotion que tu vas créer chez eux. Ou l'émotion dont tu vas les soulager. Voilà, je parlais des empathes. Certains d'entre vous, vous êtes médiums, certains sont des empathes, certains ont des dons de guérison. Certains ont des dons de vision. Certains ont des dons de prophétie. Donc, tu as peut-être commencé par les mèches. J'étais pasteur l'année passée, vous savez ça, non? J'étais pasteur. Il y avait mon église. L'église de la foi. Donc, les gens qui ont commencé à me suivre au départ, parce que je parlais beaucoup de Christ. Même aujourd'hui, je parle de Christ. Vous avez peut-être croire que oh, là, j'étais Christ, maintenant elle a pris les ancêtres. Non. Je sais que ça choque souvent certaines personnes. Oh, comment tu peux parler des ancêtres, tu parles de Christ. Jésus avait les ancêtres. Il parlait d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas, mais je parle à quelqu'un là. Tu es en train de m'écouter. Ouais. La reine Laurentine s'est cachée dans l'arbre. S'il vient encore, je vais vous montrer. Donc, vous devez comprendre que vos gens, Monsieur Nice, Nice, oh my God. Beaucoup de vos gens au départ vont venir vers vous. Ils savent que tu as le service. Peut-être au début, ce n'est même pas eux qui vont acheter. Ils vont dire à une autre personne que je connais quelqu'un qui vend. Parce que à la base, supposons que je veux acheter la crème pour le corps. Je pourrais aller acheter ça n'importe où. Mais puisque je connais que la reine Jocelyne vend les crèmes pour le corps, et que je suis habituée, elle est comme un peu comme un bonbon déjà. Je voulais dire à ma secrétaire que quand quelqu'un vient ici dit qu'il me connaît, pardon, demande-lui l'argent de la consultation. Parce qu'ils me suivent sur Facebook, ils connaissent ma pointure, ce que je chausse. Ils connaissent ce que j'aime manger. Ils connaissent tout de moi. Donc quelqu'un peut venir ici là, tu lui fais même le test, il passe toutes les 10 questions. Il connaît l'heure où je dors, il connaît l'heure où je me lève. Parce qu'il est sur Facebook avec moi. Alors qu'on ne se connaît pas physiquement. Donc maintenant, parce que vous avez développé une familiarité avec la personne que vous suivez, vous préférez traverser toute la ville pour aller chez la personne achetée. Il y a certaines personnes que quand tu veux dépenser ton argent, tu préfères aller dépenser plutôt chez telle personne, tu préfères sauter. Donc les gens vont développer avec vous une complicité. Et une chose aussi que vous devez faire, vous devez partir sur les pages de vos followers. Ou bien vous devez aussi acheter leurs produits. Ça, c'est une règle de base que j'ai appris quand je suis arrivée à Douala. J'ai un ami. Si je te nomme, tu vas savoir que c'est toi. Bon, il m'a beaucoup appris dans le business. Parce que quand je suis arrivée, il a fait 10 ans au pays. Il connaissait les rouages. Quand il veut faire ça, il me dit que fais attention. Et il y a un truc qui m'a marqué chez lui. Il a son propre endroit de business. Souvent, il dit que je vais aller manger dans... En une semaine, il peut manger dans 4 restaurants différents. Alors que lui-même, il a le restaurant.
Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit que non, mon ami m'a invité. Il est venu chez moi manger l'autre jour. Moi, je ne sais pas manger chez lui. Donc, c'est un peu comme le deuil au pays. Vous connaissez le deuil, non? Oh, j'ai perdu ma personne, tu viens. Le jour où tu perds ta part, je viens. Ça, c'est une règle de business au pays qu'on a. Je pense que ça, c'est un truc que le Cameroun a, que vous devriez copier. Peut-être tu vois la personne à sa pub de son service qu'il fait. Prends, tu mets sur tes statuts. Tu seras surpris, choqué de voir que le jour où tu fais tes services, deux personnes viennent. Et le business est spirituel. Tu passes du temps, tu causes avec les clients. Je me rappelle au début, je conseillais. J'organisais souvent des trucs comme ça là. J'organise les coachings gratuits. Je parle aux gens. Je coach. Après, il fait comme ça là. Tous ces gens n'ont même pas de 5 francs. 6 mois plus tard, quelqu'un m'a dit ok, c'est payant. Les personnes l'ont déjà testé. Ce que je fais. Et elles ont vu comment je me suis donné. Même si ce ne sont pas les personnes là qui payent. L'univers va t'envoyer d'autres personnes qui vont venir payer. Parce que tu as déjà semé. Donc, apprenez à semer sans vous fatiguer. Il y a un truc qui me... Les Gabonais là. Vous les Gabonais, quand moi je parle ici avec mon accent camerounais, vous écoutez très bien ce que j'ai dit. Mais quand vous venez me voir ici à Libreville, vous faites comme si vous n'entendez pas ce que j'ai dit. Vous voulez que je parle comme vous. Mais pourquoi? En camerounais maintenant. Les Gabonais, là, quand vous m'écoutez ici et parlent comme une camerounaise, vous entendez ce qu'il dit sur Facebook, non? Pourquoi quand vous venez me voir à Libreville, vous faites comme si vous ne comprenez pas le français des Camerounais? Hein, Fabie Love? Vous voulez que je parle comme si j'étais une Gabonaise? Oh my God. Ok. Vous riez. Vous devez savoir que dans votre business, je ne dis pas de semer bêtement. Genre, tu ouvres ton magasin, tu as investi peut-être 5 millions. Les gens viennent. Fabi Love, je suis sûr que tu as l'accent gabonais. Je suis sûr. Tous les Camerounais que j'ai vus ici parlent comme les Gabonais. Ils parlent comme les Gabonais. Tout business que tu fais, tu dois avoir une limite. Et en te lançant pour faire quelque chose sur les réseaux sociaux, tu dois savoir que j'ai quelque chose que je propose aux gens. Donc, je fais, voilà mon direct que je fais. Je te donne de la valeur. Donc, tu vas aller chercher la valeur que tu apportes aux gens. Et commence toujours par quelque chose qui t'intéresse et qui te passionne. Donc, tu dois avoir 3 piliers sur ta page. Je fais le spirituel. Je vous vends les produits spirituels. Je fais aussi le coaching. Et je fais aussi l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé, je ne faisais pas le spirituel, je faisais juste le coaching. Après, j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et là, je lisais les livres, j'écoutais les livres audio en anglais. Je venais sur la page ici, j'apportais la valeur aux gens, je donnais. Donc, quand quelqu'un venait s'asseoir, il sait que s'il passe une heure sur ma page, il sait au moins que pendant 40 minutes, il va avoir une idée qui va l'aider. Et je ne peux pas vous dire le nombre de personnes là-dedans. J'ai admis mes idées dans leur tête. Ils sont partis, ils ont fait ça, donné l'argent. Ça rentre dans ta banque spirituelle. Tu vas rester comme ça, tu vas faire un business comme ça. En 3 mois, ça va donner boum. Parce que tu avais déjà fait 5 ans où tu sémais seulement, tu sémais dans la vie des gens. Donc, on sème de façon sage. Au départ, je ne connaissais pas qu'il fallait y avoir des stratégies. Donc, quand je faisais les vidéos, les gens regardaient, je ne savais pas ce que je devais leur proposer comme produit.
Donc, tu peux faire ta vidéo ou ton post. Ok. Comment occuper les enfants pendant les vacances? Comment être plus proche de son mari? Trois astuces pour être sexy devant monsieur. Ok. Tu passes ton temps en ligne, tu cherches vraiment. Tu vois les astuces. Tu dis bien que toi, tu apprends les choses que tu ne connaissais pas. Tu dis, position intéressante. Dans ce que tu apportes comme valeur, tu dois apporter au moins 70% de gratuit. Et quand tu apportes ça aux gens qui t'écoutent, qui te lisent ou qui te regardent, c'est pour qu'ils sachent que tu connais. Donc, 5 astuces pour que monsieur tombe à nouveau. Tu pars, tu cherches. Tu dis porter les portées de soutien dentelé. Cherchez le corset, vous portez ça la nuit. Portez un petit truc court comme ça là. Vous vous couchez sur le canapé. Vous faites comme si vous voulez dormir. Écoutez. À la fin de votre post, vous dites maintenant que je vends les nuisettes, si vous voulez. Je vends aussi les gaines. Claudine Olivia, tu aimes trop rire. Quand il voit tes rires, c'est comme si tu entendais rire, audiblement. Aïe. À la fin de ton post, tu dis, je vends les nuisettes, je vends les corsets, je vends les gaines. Donc, quand quelqu'un va regarder ton poste, peut-être il a déjà sa gaine dans sa maison. Tes astuces l'aident. Comme ça, la nuit, quand elle va faire ça bien, même avec son gars, elle va dire, merci, la page là m'a aidé. Elle va te dédier un coup. Excusez-moi. Elle va te dédier un coup. Ok. Le lendemain, elle va revenir. Tu peux aller trouver les astuces pour avoir un beau visage, là, un beau teint. Et toi-même, tu fabriques les crèmes éclaircissantes. Tu passes sur ta page, tu prends le temps. Tu donnes les astuces aux femmes gratuitement. Écoutez, je vous ai montré toutes les recettes. Il y en a parmi vous, vous n'allez jamais acheter mes produits. Mais il y en a que vous avez vu, parce que vous avez vu, vous venez acheter. Laurentine, où est Mathieu? Oh my God. Donc, tu vas chercher les crèmes. Ok, prenez la peau de banane, vous mettez sur votre visage, vous frottez. Prenez les, je sais pas. Prenez l'œuf, le jaune de fou, mettez, vous laissez ça sèche jusqu'à vous ne pouvez même plus rire. Après, prenez le papier hygiénique, vous mettez comme ça avec le blanc de sur le visage, vous laissez ça sèche, je ne sais pas. Vous allez voir que ces petites astuces. Et si possible, même tu fais le direct où tu es en train de faire ça même devant les gens. Ça paraît bête pour toi, hein, mais il y a des gens que c'est satisfaisant pour eux de venir regarder comment elle fait. Voilà, oh, astuce, comment s'épiler soi-même, comment faire ses sourcils soi-même. Tu prends la caméra. TikTok nous montre les choses. Hein. Tu vas voir quelqu'un prendre l'œuf, il commence à casser l'œuf. Il enlève la coquille, je sais, il casse l'œuf, il enlève la coquille. Et il fait la vidéo TikTok, les gens regardent. Il dit que ben, TikTok va nous rendre fous. Hier, j'en ai dans le taxi. Le chauffeur, il achète le café. J'ai dit, mais pourquoi tu es sur le café? Il me dit, je suis fatigué de TikTok. Je vais enlever l'application là sur mon téléphone. J'ai pas dormi la nuit. J'ai dit que ça m'a trop fait rire. J'ai pas dormi la nuit. TikTok, TikTok. Dès que tu appuies pour sortir, ça met encore une autre vidéo. Dès que tu appuies pour sortir, ça met une autre vidéo. Donc, tu peux faire un truc. Tu dis, voilà, on aura besoin de quoi? Une lame de rasoir. Des petits ciseaux, tu prends, tu mets, tu fais, tu peignes un peu, la brosse à dents pour peigner là. Après tu fais comme ça là, tu dis soulever comme ça là, fais comme ça là, fais. Après tu dis mon salon de beauté se trouve au Carrefour Santa Barbara à Bonamoussadi. Vous avez compris non?
C'est comme ça que tu crées de l'action sur ta page. Si tu as remarqué que les abonnés ne viennent plus, tu peux vendre les Brésiliennes. Hein. Tu fais des vidéos, tu montres comment mettre son propre lesbique là. Tu vois, non? Comment mettre la lesbique. Tu fais un truc en direct, tu montres comment tu mets toi-même. Ce n'est pas parce que tu as mis sur la tête de quelqu'un que tes clients ne vont plus venir. Mais ils vont voir que waouh, elle est professionnelle. Hein. On va t'appeler. Oui, je veux que tu mettes ma part comme ce qu'elle a vu sur la vidéo là. Vous comprenez maintenant, non? Maintenant, venons-en aux dons spirituels. Donc, je veux préciser sur le point que je suis en train de quitter, c'est que quand vous venez vous parler, peu importe ce que vous allez décider de faire, vous devez avoir un service à la fin. Les gens aiment voir comment tu fais. Et quand ils voient comme ça, ils ne vont peut-être pas venir la première semaine, le premier mois. Ils vont te mettre au frigo dans leur tête. Le jour où ils ont besoin de ce service-là, c'est à toi qu'ils vont penser. Bonjour, la reine Maëlle Noé. Le jour où la personne aura besoin de ce service, c'est toi que la personne va voir. Voilà. Donc, j'avance maintenant sur le deuxième point. Les gens qui sont... Il y en a, vous êtes les empathes, vous êtes les médiums. Il y en a, vous pouvez même lire le tarot. Sur votre page, vous pouvez proposer des lectures aux gens, des lectures collectives. Donc vous mettez, il y a par exemple la canalisation de l'énergie des ancêtres. Il y a cela peut-être 2 mois, je faisais ça beaucoup. Je me connectais, j'écoutais ce que les ancêtres disent, et puis je disais, il y a des jours, parfois, je regarde vos noms. Donc, comme j'ai demandé que tout le monde ait les pseudos, là, c'est chaud un peu. À parfois, avec votre nom et puis la photo de profil, je pouvais vous lire certaines énergies et vous dire. Donc, ça, c'est des dons que vous devez commencer à mettre. Tant que tu ne mets pas en pratique tes dons ne peuvent pas mûrir. Il y en a que vous avez tellement mis en pratique que vous savez. Donc, il y en a parmi vous, vous connaissez votre don de vision. Vous connaissez. Et il y en a ici, vous avez même plus de dons que moi. Je vous le dis toujours quand je fais toutes mes vidéos que je ne suis pas la plus grande. Mais ce que je sais, c'est que le peu que je connais là, je vais utiliser ça. Et ça me donne l'âme. Traduction pour ceux qui ne connaissent pas l'âme. L'âme, c'est l'argent. Ça va me donner l'argent. Vos dons doivent être monétisés. Donc, vous devez passer l'étape où vous avez peur qu'on vous voie là. Ils ne vous ont pas donné le don là, donc ce n'est pas eux qui vont venir prendre. Ça, c'est l'une des choses qui faisait que j'avais, au départ, j'avais peur. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Gars, j'ai passé l'étape là. No weapon fashioned against me shall prosper. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Et vous allez voir que plus vous allez utiliser vos dons, plus vos dons vont grandir. Les dons spirituels, c'est un peu comme une cuvette. On ne peut pas, bonjour Ivoire Ebène Beauté, on ne peut pas te remplir, c'est plein et on continue à verser. Ce qui est dedans là doit d'abord sortir, avant qu'il vienne encore verser l'autre. Donc beaucoup d'entre vous spirituellement, vos dons sont un peu bloqués parce que ça fait des mois que personne n'a profité des dons spirituels que vous avez. Il y en a, vous êtes même attaqué parce que vous avez des dons. Vous êtes attaqué parce que vous avez des dons spirituels. Maintenant, vous devez comprendre que, comme ils sont venus là, donnez-moi les likes, s'il vous plaît. Vous, c'est la même manière. Vous ne pouvez pas regarder ma vidéo sans mettre les likes. C'est même quoi qui a gâté des spectateurs, ça. Vous savez comment Facebook fonctionne? C'est les likes qui font que ma vidéo monte. C'est que vous avez venu me regarder, vous allez dormir. Je suis en train de dormir déjà. Je ne fais pas de collecte de fonds sur Facebook. Donc, comme je fais la vidéo là, Facebook ne va pas me payer. Mais ça peut aider que 2-3 personnes voient ma vidéo. Voilà. Vous devez comprendre, connaître les algorithmes. Quand quelqu'un dit que liker ma vidéo, partager ma vidéo. Parce qu'il sait que c'est quand tu vas liker, tu vas partager, que ça va l'aider. Donc, comme je vous ai dit, dans le spirituel,
Vous devez avoir confiance qu'ils ne peuvent pas prendre tes dons. Tes dons sont pour que des personnes en profitent. Beaucoup se sont dit, parce que vos dons, hein, les messages que vous recevez, ça vient des anges ou des ancêtres. Donc, ils ne peuvent pas venir vous donner un message s'ils ne vous protègent pas. Ils ne peuvent pas vous envoyer s'ils ne sont pas assurés que là où vous partez, là comme ça, il y a quelqu'un qui vous attend pour vous protéger là-bas. Et si on vous a donné une autre version des ancêtres, c'est que ce ne sont pas eux. Attends un peu, imagine tu meurs, tu reviens pour donner les dons, pour activer les dons de ta fille. Tu l'envoies au choc. Tu sais que si elle part dans tel endroit, on va la cambrioler, on va la violer, on va la tuer. Est-ce que tu vas faire ça? Et pas tu vas t'assurer que tu pars devant la personne. N'est-ce pas? Je crois que vous avez une mauvaise conception des ancêtres. Il y en a parmi vous, vous allez finir par devenir conseillère, coach. Vous allez ouvrir votre cabinet de consulting, le conseil. Et Dieu ne vous donnera jamais quelque chose que vous ne pouvez pas, une mesure que vous ne pouvez pas accomplir. Dieu va toujours te donner quelque chose. Tout ce que tu as devant toi aujourd'hui, tu peux faire. Et tu dois développer la foi de ça. C'est important. C'est vrai, Sandra. Les pseudos, non, là, non, pas. Ça, c'est un bon point, ça. Mais je suis convaincue que si quelqu'un a tombé sur ma page, les ancêtres vont l'amener. Même s'il faut que son téléphone tombe, ça se casse. Quand il allume à nouveau, que Facebook est revenu et ça, je sais pas. Ils auront tous les moyens pour qu'au bon moment, les bonnes personnes tombent sur mes vidéos. Donc, peu importe les dons que vous avez. Oui, il y a des oiseaux juste là-bas. Il y en a là-bas. Il est trop petit. Donc, si je vous montre, vous ne l'avez pas bien le voir. Il est tout petit. Vous allez donner du contenu dans vos pages, apporter de la valeur à vos clients, nourrissez vos clients, et à la fin de tout ce que vous proposez, vous leur donnez, mettez clairement vos services. Et aussi une autre chose que vous devez faire, vous devez écouter le besoin du client. Parfois tu commences, tu vends les mèches. Mais tu as, en une journée, tu as deux personnes qui demandent les mèches et tu as 20 personnes qui te demandent un produit particulier. Ou bien tu vends les mèches, mais tu as 20 personnes qui veulent que tu les coaches. Peut-être que tu as le don de coacher les gens. Mais tu t'efforces. Non, je dois vendre les mèches. Je dois vendre les mèches. Je dois vendre les mèches. Bon, elle est finie. Elle est finie. Vous devez développer la patience. Mais la patience en sachant que tu as fait tout ce que l'énergie te dit de faire. Tout ce que l'Esprit Saint te dit de faire. Parce qu'il y en a parmi vous, il y a des périodes où vos pages sont bloquées. Tu as 100 000 abonnés, mais tu fais les vidéos, tu n'as même pas 1000 vues. Tout ça, tu vas mélanger avec ton travail spirituel. Tu te laves au sel, tu achètes les kits, tu fais les lavages à distance, tu fais toutes ces choses-là. Et tu persévères. Persiste.
Moi, j'aime la patience, mais en attendant, je fais quand même quelque chose. Je n'aime pas m'asseoir, j'attends seulement. Tu fais quoi? J'attends. Je ne sais pas, mais j'attends. Non. En attendant, je vais faire la vidéo. Même si j'ai deux vues. I'm gonna do it. I'm gonna do it. Yes, I'm gonna do it. I will do it, 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 do it. Always do it. Do it. Don't give up. Just do it. C'est ce que tu fais pendant que tu attends qui est important. Ce n'est pas le fait d'attendre. Pendant que j'attends, je fais quoi? Pendant que j'attends. Voilà. Ceux qui me suivent depuis, vous connaissez que j'ai déjà fait en dessous. J'ai déjà tout vendu sur la page ici. Ne voyez pas qu'on me vend seulement les produits spirituels. J'ai vendu les produits de Njansan. J'ai vendu les... Ah, moi, je vendais les mèches, les perruques. Les t-shirts. Bientôt, je vais lancer la restauration. Donc, Nina, donc tu as commandé, les gens sont tombés derrière toi, de ces petits connes-là. Larissa. Papa, 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 papa. La reine Larissa, contente-moi une box. Je pense que tu dois faire une offrande ou un sacrifice. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment, vraiment... C'est bien parce que toi-même, tu observes. Et ne me contacte pas si tu ne veux pas. Parce que vous, parfois, vous voyez qu'on vous force. Il y a les choses de base que tu ne dois pas faire comme ça, comme ça. Ouvrir un local pour le business ou bien demander ton visa. Tu demandes seulement comme ça, élan, élan. J'ai demandé, non. Tu dois assurer tes arrêts. Parce que ce sont les choses que les gens qui vous détestent voient. Ah, elle veut se marier. Ah, ah. Elle a une nouvelle relation. Et... Problème à la maison. Bien. Ah, elle veut ouvrir. Tu nous laisses ici, là. Tu peux ouvrir deux magasins. Ma chérie. Le dehors, là, c'est gâté. Hein. Vous seriez surpris de ce que les gens peuvent faire contre vous. De l'étendue à quel point ils peuvent partir, seulement pour vous mettre à terre. Vous êtes choqués. C'est un fond, déjà, que même. Ton lieu où tu veux ouvrir le business là, est-ce que tu es là-bas en journée? Est-ce que tu es là-bas en journée? Pardon, la nuit. Tu sais ce qu'on est venu lancer là-bas. Ils ont venu lancer, tu dis qu'aucun client ne va venir. Que si un client vient, ça va me l'énerver. Donc voilà, tu ouvres, c'est beau. Une me contacte un jour comme ça. Je suis allée bénir son magasin à Bonapriso. Elle dit que et le magasin était très beau. Oh là là. Les trucs qu'elle a apportés que de France. Jesus is Lord. Le numéro WhatsApp, c'est le 00237 693 50 2266. 693 50 2266. 693 50. 22, 66. Encore, 6, 93, 50, 22, 66. J'arrive au magasin de la femme. C'est beau. Tu vois les produits qu'elle a achetés en France. Je dis, mais attends un peu, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que là, parfois, il y a des jours, c'est la seule personne qui rentre là-bas, c'est la vendeuse. Oui, contacte-moi sur le numéro là, oui. Que la seule personne, c'est la vendeuse. Donc, premièrement, il y a les bailleurs, il y a les qualités de cancan bailleur, maniaka bobé bailleur là. Tu viens, tu améliores son local. Il commence à dire que non, il faut que tu déménages. Il commence à faire les ouais là-bas, que tu partes. Donc, quand, il faut savoir que quand, dès que vous faites un truc, ça commence à marcher. Ou bien quand vous faites, on voit ton étoile, on connaît que tu aurais dû faire dans le cosmétique depuis. Comme tu as finalement compris et que tu as brisé les chaînes qu'ils avaient mis et que tu es en train d'ouvrir ton local. Hein? Pourquoi on bloque encore? On doit renforcer le blocage sur la fille ici. We n'a débloqué you. Yes.
When I débloqué, you were even more. Ils vont mourir. Te voilà. Tu traverses une période où ça ne va pas. Tu es fatigué. Tu te lèves, tu as peur. Tu ne sais pas pourquoi, mais ton corps est bizarre. Businessman ou woman, faites beaucoup de sacrifices. Très important. Beaucoup. Faites beaucoup. Je vous disais l'autre jour que vous voyez la fête des moutons là. Le musulman sait que tous les 4, 5, tous les 4 à 6 mois, il tue un mouton et partage. Toi, tu es qui pour dire que tu vas prospérer sans partager aux gens? Hein? Tu crois que tu es qui? Pour ça, vous faites vos affaires sont bloquées. Tu commences un truc, après tu laisses. Tu commences après tu laisses. Parce qu'on a parlé, tu as dit, ah, j'ai peur de ça. Tu peux manger le mouton des gens. Pourquoi tu ne veux pas que les gens viennent manger pour toi? Malheureusement pour vous, il y a beaucoup de choses qu'on vous a, on a mis, on a fait ce qu'on s'était démoniaque. Sandra, hop, si tu veux pleurer l'argent ici, là, je ne donne pas les prix de mes choses ici, là, pardon. Mais c'est beaucoup d'argent. Si l'argent te fait peur, c'est que c'est pas pour toi. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup. Si vous partez faire chez vos gens à 5 000, sachez que chez moi, vous avez fait ça à 20 000. Puisqu'il ne blague pas. Il ne blague pas. Oui. Une dame est venue l'autre jour. Elle, là, elle va faire que le grand, le plus grand, tu vois, l'animal qui est tellement costaud là qu'on ne peut même pas le tirer. Une personne ne peut pas le tuer seule là. Voilà. Son collaborateur l'avait endormi. Tu vois, déjà que tu travailles avec, vous êtes là, vous commencez le business ensemble. La personne vient pratiquer dans ton bureau en ton absence. Et quand il fait ça, il t'endort tellement. Je vous disais ça l'autre jour, non, celle qui était à l'étranger, elle envoyait les 30 000 euros à sa copine ici là. En Afrique. Et la copine prend, elle fait deux chantiers en même temps. Pour celle qui est en Europe, et elle a, le chantier là est au nom. Elle a, ça, le titre foncier porte le nom de celle qui est au Cameroun. Celle qui est en Europe en train d'envoyer l'argent croyant que c'est à son nom. Donc elle fait le chantier de celle-là qui a son nom et elle fait son propre chantier qu'elle a caché à celle de l'Europe. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Maëlle, effectivement. Le degré du bœuf là, c'est un autre degré financier. Quand on dit que, ah, j'achète le bœuf, tout l'argent là. Il y a les choses qu'on ne vous a pas expliquées quand vous grandissez. Mais vous voyez autour de vous, on ne vous a pas expliqué que c'est ça qui faisait que les gens l'avancent. Du coup, vous êtes seulement cela. Comme ça que tu fais ton magasin, l'autre en face de toi, il fait sa part. Le client entre chez lui, chez toi, on n'entre pas. Ne blaguez pas. Le collaborateur de cette dame l'avait tellement endormi. Je suis sûr que l'homme l'a amené même les juju people dans le bureau en l'absence de la femme là. Sucer son énergie. Parce que parfois, tu peux t'associer avec quelqu'un. La personne a une très forte énergie d'argent. Une étoile très forte qui attire l'argent. Donc cette personne utilise l'étoile de la personne en même temps pour prendre. Et ils font le genre que quand ils te demandent quelque chose, ils te disent quelque chose, tu fais sans hésiter. L'argent n'est pas fait un truc comme ça là. Il te dit ouais, donne 30 millions, tu prends, tu donnes. Et en signant, après quand il revient, tu te demandes parce qu'il a fait 30 millions. Hein. Parce qu'il t'a endormi. Parfois ça peut être. Ça peut être un joke ou bien une go. Que la go t'a préparé comme ça là jusqu'à. Elle vient te tourner ça comme ça là. Think you wanna marry me?
va la rentrée, non? Tu portes l'argent que tu avais payé la pension de tes enfants avec, tu peux pas donner à la go. Oui. Et le truc, c'est que quand on te manipule, tu ne sais même pas que tu es manipulé. C'est le pire. C'est pas genre, oh, je suis manipulé. Oh. Non, tu te retournes, tu fais seulement. On te parle n'importe comment. On dit que la femme là n'est pas bien pour toi. Ah, pardon, laissez, vous êtes jaloux. Ah, pardon, laissez-moi. L'homme là n'est pas. Ah, pardon. Il va finir ton argent. Ah, je suis amoureux. Vous ne voulez pas que je me marie. Vous ne m'aimez pas. Vous ne voulez pas qu'elle soit aussi heureuse. Oui, un peu. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Hein. Donc, quand on a commencé le travail sur la dame l'autre jour, on travaille sur elle à 17h. 19h, elle envoie la photo qu'un de ses enfants était attaqué spirituellement. Il y avait des traces de rayures sur l'enfant, les griffes. Laisse-moi dire à la femme là que ne te dérange pas, ça c'est le premier round. C'est le premier round. Il va venir porter ses choses seul, il va partir. Il va partir. Travaillez. Oh. Travaillez sur vous. Blaguez pas. Blaguez pas. Il y a des périodes comme ça, tu es fatigué. Tu dois faire un sacrifice. Cherche un animal, tu envoies l'argent. Allez-y. Même si c'est ton dernier argent. Vous allez voir. Bon, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. Ok, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Prenez ce qui va vous intéresser, laissez le reste. Et je précise qu'il y a des moments quand tu commences les sacrifices, c'est là que les problèmes commencent. Parce que tu es allé toucher quelque chose là, un serpent au fond de la mer là, que il faut pas que tu te décourages. Généralement, quand j'ai des clientes qui viennent de commencer ses affaires, si genre elle a 40 ans, de toute sa vie, on n'a jamais fait un sacrifice pour elle. Si elle n'a pas la force mentale et la persévérance, c'est qu'elle va faire une semaine là, elle va dire que non, je ne veux même plus, pardon, tu m'as amené dans les. Tu sais pas que c'est quand tu pousses, tu persévères. Et ça doit devenir un mode de vie. Ça doit devenir un mode de vie. Le musulman connaît bien que toutes les. Donc, chaque année, au moins 3 fois. Toi, tu n'as jamais fait. Jamais. Même une fois. Pourquoi tu crois que tes choses n'ont pas fait le yo-yo? Ça monte, ça descend. Ça. Il y a une là en France. Elle m'a contacté pour sa fille. Wow. Au départ, il y avait un esprit de rejet sur la fille, la femme là. Que je n'ai pas pu la consulter. Je l'ai envoyée chez une de mes représentantes. Elle a finalement une des représentantes, celle de Nantes. Elle a eu la patience de la gérer. La femme l'a fait les sacrifices. Elle fait le lavage de sa fille. Elle fait le sacrifice. Elle dit que la semaine là, dans le genre d'enfant, que l'enfant est c'était l'ennemi à la maison. Une fille de peut-être 17 ou 18 ans en France. Après, peut-être au deuxième ou troisième sacrifice, 2 jours sur 5, l'enfant rentre. Elle est gentille avec elle. Waouh! Ma maman, oh, elle dit que waouh, c'est. Je ne peux pas dire, ça fait des années que je n'ai pas senti la paix avec mon enfant. Troisième jour, l'enfant recommence. Problème à la maison. Ouh, tu parles, elle ne comprend pas. Et j'ai la mère là que, écoutez madame, tu as même vu un peu une bonne face de ta fille en quelques années. Le petit que tu as vu là, tu dois persévérer. Il y a une autre. Elle vivait avec ses enfants. Tu me suis sûrement, tu ne commentes jamais, c'est bien. Ne commente pas. Donc je ne donnerai pas ton nom. Elle était d'abord dans un pays anglo-saxon avec son enfant. Okay? Après, elle est quittée de là, elle est venue en France. Quand elle est arrivée là-bas, elle dit que l'année passée, l'enfant est parti composer le brevet. Il a échoué. Les professeurs étaient surpris. Elle a appelé, qu'on doit retrouver la feuille de son fils. On a retrouvé la feuille, l'enfant avait remis la feuille vide. Elle demande que le jour-là, ça a fait que comment? Il dit, maman, je suis arrivée le jour-là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. En l'espace de 2 mois, là, le nombre de boucs que la femme a tué sur son fils, c'est. Je crois que je vous ai donné un témoignage. Le premier jour qu'on a fait le jeûne sec, au mois de juin, le 28, on a commencé. L'école où son enfant était, elle voulait que son enfant aille dans une école privée en Angleterre.
étudier. Et là-bas, il pourra faire le foot. Le premier jour de jeûne, avec tellement d'adversité, elle a passé l'interview de son fils au téléphone. Elle a eu l'admission. On a enlevé 10 000 pounds, c'est-à-dire 7 700 000 sur la pension qu'elle allait payer pour l'enfant. Il y a des gens qui vont faire, ils vont voir la destinée de vos enfants, ils vont faire ton enfant va être toujours éloigné de toi. Bon, c'est que quand l'enfant est à côté de toi, tu vas le mettre dans une grande école, tu vas bien le discipliner, il va faire des... Après, on va éloigner l'enfant de toi. Tu vois, peut-être tu arrives en Europe, tu es calé là-bas, l'enfant ne peut pas venir. Donc, travaillez sur vos enfants. Certains de vos enfants, ils ont 17 ans. Et là, si tu rates le dernier tour de visa que tu veux faire le tour, c'est là, l'enfant va avoir 18 ans, ce sera fini. Il faudra maintenant qu'il rentre dans la procédure d'adulte. Tu ne connaissais pas avant. Maintenant, tu connais. Sachez que quand vous avez l'étoile, là, on a bloqué pour vous. Ils ont vu pour votre enfant. Donc, quand tu es né, on a vu les enfants qui étaient dans ton ventre. C'est ça que vous voyez, ils connaissent. On sait que tout enfant que tu portes jusqu'à ce que tu accouches dans ce monde-ci, l'enfant là va secouer le monde. L'enfant là va secouer le monde. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous avez eu beaucoup de problèmes. Vous êtes retrouvé en train d'avorter dans votre jeunesse. Beaucoup. Et je vous dis, c'était des attaques spirituelles et je ne blague pas. Tu es en scène comme ça là, tu dis au père, hey. Deux semaines plus tard, il disparaît. Il ne t'écrit plus. Il a disparu de la circulation. Dépression commence. Va même retirer l'enfant là, c'est même quoi? Oui, non, non. Tu batailles. Tu résistes deux mois, finalement, tu pars, tu retires l'enfant. 10 ans plus tard, tu as été chercher l'enfant jusqu'à. Attaque spirituelle. Il y a des choses ici dehors. Il se manque, c'est quand on va mourir, quand il va nous ouvrir le livre, là, il va montrer tout. On va dire que, hé, Seigneur. Donc c'est ça que les gens la faisaient. Vous serez choqués de voir les choses. Parce qu'on savait que si tu as accouché l'enfant là à 17 ans, l'enfant allait être un génie. Un génie. Une fois j'étais en pleine délivrance, l'esprit qu'il y a dans la femme là dit que il y a une grossesse là que la femme avait, c'est passé. Même les fausses couches. L'esprit dit qu'elle avait deux jumelles en elle. Que si les filles là naissaient, la beauté qu'elles allaient avoir, c'est que ah, parce que oui, c'est nous qui avons fait que les enfants la sortent, qui avaient des jumelles, deux filles dans son ventre. Que si les enfants la naissaient, elles allaient être trop belles, trop, on ne pouvait pas laisser. Vous êtes constamment sous attaque. Ne blaguez pas avec votre spiritualité. Comme tu es couché dans le lit comme ça, là, tu es dépressive. Tu crois que c'est la dépression normale? Il n'y a même jamais de dépression normale. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui te calcule qu'elle ne doit pas se lever. Pourquoi elle est bien habillée aujourd'hui comme ça? Mais ils ont menti. Maintenant, vous connaissez. On a vous connaissez maintenant, non? Vous connaissez maintenant, non? N'est-ce pas? Il va vous dire, il va parler, il va parler, parler, il va parler. Oh my God, au ghetto. Il va parler, parle, il va parler. La chanson, s'il me plaît. Certains, tu as accouché, on est venu attaquer l'enfant. Il y a une qui m'a appelé une fois parmi vous. Elle a accouché l'enfant, la fête est bien pourtant. Première semaine là.
actuellement que vous parlez en fait dans les chaises roulantes. Vous devez comprendre que vos enfants qui sont attaqués, physiquement, ils sont peut-être attaqués, mais l'esprit de l'enfant là n'a aucun dommage. Je dois vous rappeler ça. Certains de vos enfants, ils sont chez vous. Ils sont couchés sur le canapé au salon le matin. Tu ne sais pas que l'esprit de l'enfant là est devant la porte là-bas. Ça monte la garde. Je ne sais pas ça, à qui je suis en train de parler là maintenant. Certains de vos enfants sont vos anges gardiens. La douleur, je sais pas si c'est qui d'entre vous. Le Seigneur voit ta douleur. En fait, ton fils voit ta douleur. Ton fils voit ta douleur. Et il veut que tu saches que, en fait, je vois un enfant qui est, il est handicapé et il a un lien très fort avec sa mère, très fort. Voilà ce qu'il me dit de vous dire que parfois même dans la nuit, vous vous rencontrez dans vos rêves. Et il t'apporte beaucoup de paix. Mais toi, tu crois qu'il a mal alors qu'il n'a pas mal. Donc toi, tu as souvent pitié pour lui. Tu dis, j'aurais aimé que tu aies une vie comme ça, j'aurais aimé que tu sois comme ça. Il me dit de te dire que il n'a pas mal. Il n'a pas mal. Je vois un très fort lien, il t'aime beaucoup. C'est comme si même depuis le ventre déjà, tu avais refusé de l'avorter quand on t'avait dit qu'il aurait des problèmes. Tu avais refusé. Parce que tu sentais que c'était cet enfant une lumière. Il me dit de te dire que ce n'est pas parce que physiquement il ne peut pas faire ce que tu attendais de lui, que spirituellement il ne le fait pas. Donc il ne faut plus que tu pleures. Certains d'entre vous, le fait que tu sois resté pendant une période pour t'occuper de lui, ça a évité parce que tu allais avoir des attaques. Tu allais rencontrer certains hommes qui étaient carrément envoyés du diable, qui allaient beaucoup te déstabiliser et te faire du mal. Donc le fait que tu sois resté et que tu aies choisi de t'occuper de lui, ça t'a protégé, mais tu ne sais même pas. Tu te dis que tu as perdu tes années. Il me dit de te dire que ce n'est pas le cas. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas avoir une conversation normale avec vos enfants. Parce que l'enfant n'a pas il n'a pas tous ses sens. Mais je ressens beaucoup l'esprit de cet enfant-là. Je sens un lien très fort entre vous. C'est depuis le ventre. Très fort. En fait, il t'a même choisi. Je ne sais pas, mais je ressens l'envie de dire qu'il y a les réseaux sociaux. C'est comme s'il y a certains de ces enfants-là que vous devez faire leur page sur les réseaux sociaux. Je vous dis ce que... Vous faites leur page et vous filmez souvent leur quotidien, vous mettez en ligne. Parce qu'il y en a, vous allez recevoir tellement de satisfaction en tant que maman. Quand tu vas voir comment les gens vont venir à toi à cause de cet enfant. Voie à cause de lui et qu'on ait la pitié pour toi, mais qu'on te voie comme une maman courageuse. Il veut que les gens sachent que tu es une maman courageuse. Merci, merci. Il est en train de me dire merci d'avoir parlé pour lui. Il a un esprit très fort et très beau, mais très grand.
Il me dit de te dire de ne pas voir son état physique. Ce n'est pas parce que certains de ses membres ne sont pas développés qu'il est petit. Il aime quand tu souris. Il aime quand tu es heureuse. Il me dit de te parler de l'aspect financier, que tu n'aies pas peur pour les finances, que ça va s'arranger. Parce que parfois, tu as beaucoup de factures, tu vois les factures des soins et tu te dis comment tu vas t'en sortir. Il veut que tu partages son histoire avec le monde. Je peux fermer, s'il te plaît. Merci. Je vous envoie de l'amour, de la lumière. Je viens guérir vos mauvaises pensées. Pour certains, vous avez beaucoup de lourdeur ici. C'était comme une migraine ici. J'enlève ce casque. Je mets le soleil sur vous. Certains, vous avez carrément, votre frigo est très vide ces derniers temps. Eh bien, remplis vos poches, votre frigo. J'appelle votre argent. Et je vous remplis d'amour. Que vous ayez des bouffées d'amour aujourd'hui. Je vous envoie des bouffées d'amour. Pour certains, vous allez vivre les jours qui arrivent avec votre mari, ce sera très intense. Donc vous allez avoir des parties de jambes très très chaudes. Sérieux. Certains de vos maris vont revenir. Ceux qui vous trompaient ou bien qui voulaient vous tromper. Cette réconciliation-là, c'est comme s'il y a de l'amour qui est... C'est comme si on avait fermé votre cœur, vous la femme, la personne qui écoute ceci. C'est comme si on avait fermé ton cœur et ça gâtait ton environnement. Maintenant, je vois en fait cette carapace qui est cassée et cet amour peut sortir. Tu peux enfin exprimer ton amour à ton mari. Donc, quand vous serez au cinquième coup, vous faites ça à ma santé. Les célibataires, vous allez rencontrer le gars, non? C'est quoi? Fan club de Gidjig Academy, vous avez les noms sur Facebook. Fan club, vraiment, j'ai pas encore vu le nom, hein. C'est la première fois que je te vois. Tu vas me dédier le premier coup. Hein. Moi, je vais vous dédier mon cinquième coup. Donc, oh my god. C'est vrai que souvent, on se dit que Dieu n'intervient pas dans les choses comme ça. Bon, le numéro WhatsApp, 00237 693 50 22 66. 693 50 22 66. C'est Dieu qui a instauré l'amour. Hein. Dieu a mis Adam, il a mis Ève, il a dit allez, multipliez-vous. Première chose qu'ils ont fait, ils ont eu l'enfant. Donc, que l'amour que vous allez faire ces jours, c'est là que ça donne l'enfant. Au nom de Jésus, que ce soit votre mois de conception.
ce mois soit votre mois de conception au nom de Jésus. Que vos enfants Emmanuel là qui viennent. Salut monsieur Mbaye, ok. Bon, vous passez une bonne journée. Vous avez les numéros, non? Il y a Libreville, il y a la Côte d'Ivoire. Je suis aussi suivi au Sénégal. J'ai vu ça comme le Mali. Voilà. Ah, les veuves ne font pas. 693. Non, ça n'a pas bien écrit mon numéro. 00237 693 50 22 66. 00237 693 50 22 66. Voilà. Vous pensez que les veuves là n'ont pas. Là, dans les veuves là, quand ton mari est mort là, il est mort. Il est parti avec ton truc. Hein? Faut ouvrir ton cœur à nouveau, c'est tout. Quand on l'a enterré, ton truc est resté sur toi, non? Je sais qu'elle est restée avec toi, non? N'est-ce pas? Sandra, oh, j'aime pas Grondo aujourd'hui, vraiment. Et ça, quand vous êtes dans mon ticket, vous marchez comme si c'était des ans de côté. Vous savez pas le jeu. Ce qui va provoquer pour qu'il gronde. Bye bye. Ouais, Seigneur. Les femmes là, il faut que vous cherchiez les gens qui vont s'occuper de vous, Jessica, pardon. Quand vous commencez à rire, il y a comme ça, vous connaissez. Oh my God.